Allez. Eh bien salut à tous, ici Révo et bienvenue pour les 10 fois où les Simpsons avaient prédit l'avenir. Rien que ça. Et si les Simpsons, du moins le réalisateur, avaient des dons? Genre des dons de voyance, tu sais. Non, sérieusement, j'ai pas plus d'informations là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que je vais donc vous présenter 10 fois où les Simpsons avaient avancé des choses qui, par le futur, se sont avérées vraies. Aussi vraies en tout cas que quand je dis que cette vidéo dépassera un jour les 50 000 pouces bleus. Grâce à toi. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Alors qu'il vient tout fraîchement d'être élu pour de vrai président des USA, eh bien en 2000, dans l'épisode 243, précision oblige, Donald Trump était président. Et c'est Lisa qui allait le remplacer à la Maison Blanche à la suite d'une crise budgétaire du président Trump. Alors petit plus concernant l'élection actuelle, la carte électorale était quasiment la même que celle des Simpsons. Avouez que c'est chaud quand même. En 1997, lors d'un épisode quotidien, on peut voir une cuisinière de l'école servir de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. 16 ans plus tard, en 2013, arrive alors le scandale Spanghero, où cette société vendait de la viande de cheval à la place de la viande de bœuf. Dans le 546e épisode, dédié à la Coupe du Monde de football en 2014, on peut y voir un match entre le Brésil et l'Allemagne. Dans ce match, Neymar, la star brésilienne, se blesse et l'Allemagne remporte la Coupe du Monde. Juillet 2014, quelques mois après, l'Allemagne devient finalement championne du monde et Neymar se blesse, alors non pas contre l'Allemagne, mais contre la Colombie. Abusé, franchement, j'ai pas de mots. Dans l'épisode The City of New York versus Homer Simpson du 21 septembre 97, Homer doit aller au World Trade Center et Lisa lui montre alors un journal où le prix et le dessin des deux tours forment la date de l'attaque terroriste du 11 septembre. Coïncidence, complot, Illuminati? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est bien troublant. En 99, des radiations créent des tomates mutantes dans le monde des Simpsons. Et en 2013, les amis, la radioactivité nucléaire de Fukushima produit les mêmes abominations sur différents fruits et légumes. Dans l'épisode Lisa se marie, paru en 95, on y voit un poster de la tournée du fameux groupe des Rolling Stones en 2010, avec pour titre Stillwell Chair 2010, accroché au mur. L'affiche dit qu'ils sont donc en chaise roulante, et qu'ils sont donc vieux, mais malgré tout et malgré leur âge, ils ne le sont toujours pas et sont encore en tournée actuellement. 9 octobre 97 sort un épisode où Marge essaye de convaincre Bart de sortir de son lit. Elle lui suggère alors un livre, Curious George and the Ebola Virus. Et on peut y voir sur la couverture un singe alité, malade donc, dans son lit. 15 ans plus tard, ce virus, Ebola, tuera plusieurs milliers de personnes. Tout simplement bluffant. En 98, les enfants de Springfield jouent à un simulateur de travaux à la ferme. En 2009, sort le premier jeu virtuel sur le monde de la ferme, Farmville. Perso, c'est peut-être un bon jeu, mais moi en tout cas, j'y ai jamais joué. Et vous? En 95 toujours, le futur fiancé de Lisa communique avec une montre connectée. Or, nous sommes loin, mais alors très loin de la technologie actuelle. Pour preuve, en 95, le téléphone à la mode, c'était ça. C'est seulement 20 ans plus tard que sortira les premières montres connectées. Enfin, dans un épisode tout récent maintenant, les Simpsons annoncent que Révo aura 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube en 2017. Un conseil, on peut commencer déjà à tous s'abonner et à partager la chaîne un maximum de fois. Parce que là, hein, c'est pas gagné. Hein. Eh bien, voilà les amis, c'est donc la fin de cette vidéo assez troublante. J'espère qu'en tout cas, elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, commenter et partager un maximum de fois cette vidéo. Et il y en aura largement assez. N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram et Periscope Révo officiel. Allez-y, c'est gratuit. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Merci à tous et à la prochaine. Salut! Et moi je me casse aux US. Ou pas d'ailleurs.